Alors, est-ce que vous sentez que ça devient lent? Je viens d'appliquer un dégradé sur le contour. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Je viens d'appliquer un dégradé sur le contour et j'essayais de rediriger le dégradé avec l'outil dégradé de couleur, mais ça ne marche pas en fait. Il faut aller dans la palette dégradé de couleur, menu fenêtre dégradé, et c'est là qu'on peut modifier l'angle du dégradé. Donc il y a parfois des petites choses qui ne marchent pas sur les contours. Alors, si ça devient lent, voilà ce que vous pouvez faire. Dans Illustrator, il y a menu effets, paramètres des effets de pixelisation du document. C'est pour tout le document, c'est pas pour seulement la forme sur laquelle on est en train de travailler. Menu effets, paramètres des effets de pixelisation. Et là, actuellement, on est en un rendu des effets élevés. Ça demande beaucoup de ressources informatiques. Si vous descendez à 150 pixels par pouce, c'est 4 fois moins de ressources informatiques qui seront nécessaires. 72, ce sera à peu près 8 fois moins de ressources informatiques. Vous pouvez essayer ça. Par exemple, je passe en 72, OK. Le grain est moins bien rendu, mais au moins c'est plus rapide. Ça demande 8 fois moins de ressources. Ah oui, on peut même descendre encore plus bas si on veut. Menu effets, paramètres des effets de pixelisation. Si on tape directement quelque chose ici dans Autres, 36 par exemple, là j'ai 64 fois moins de ressources informatiques nécessaires par rapport aux 300 pixels par pouce qui étaient réglés au départ. Donc vous voyez, c'est prévu. Ils savent que sur certains ordinateurs, Illustrator est lent et le rendu, ben ça pose problème, ça c'est un frein à la créativité quand c'est lent. Donc il est possible de travailler toute son illustration comme ça en basse définition, et puis à la fin, de remonter avant l'exportation, l'enregistrement en PDF, vous pourrez remonter à 300 pixels par pouce, voire même 600 si vous voulez, pour avoir vraiment un rendu nickel. Donc voilà, si vous pensez que c'est un peu lent, passez par exemple à 150 ou 72. Voilà. Alors, dernière chose qu'on va faire ici sur cet éléphant, on va essayer de mettre un contour qui passe devant le fond. Ok, je vais ajouter un nouveau contour sur cet éléphant que je dois sélectionner. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour. Le voilà. Je vais lui mettre une couleur verte pour commencer. On le voit, il est là. Et alors, je vais lui mettre un effet de décalage. Ben là, je peux utiliser le raccourci clavier que j'ai mis au point tout à l'heure. C'était commande dollar chez moi. Voilà. Et alors, en mettant une valeur de décalage négative ici, ça devrait normalement rentrer dans la forme. On va voir. Moins 4, touche tabulation. Voilà, ça marche. Vous voyez, on peut mettre le contour qui déborde sur le fond. Ok. Je vais mettre un effet doré sur le contour. Voilà, ça peut donner bien. Un peu comme un bijou. Donc le contour n'est plus vert, il est doré. Avec un décalage négatif qui le fait rentrer dans la forme. Sur ce même contour, je peux mettre un effet spécial. Effet spécial. Ombre portée. Ce qui devrait donner l'impression que le contour là est un peu détaché du fond.
Effet spécial ombre portée. Oui, il faut réduire un peu le décalage sur X et Y ici. Parce que c'est un peu trop grand. Ok, voyez un peu l'effet. Génial ça, hein? Mais j'ai dû diminuer. C'est parce que les 2,5 qu'ils proposaient au départ, et ici ils proposaient 3, je pense, c'était beaucoup trop comme flou de l'ombre dans le cas de cet objet. Donc voilà. Et on peut faire de la précision, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, finalement, je vais enlever l'œil en face d'un des contours, il ne me sert pas, il ne m'apporte rien. Voilà, et étape suivante, on va utiliser l'effet spécial que vous avez obtenu. Là, on va l'utiliser sur un texte, dans un autre document. Donc, enregistrez bien. Alors pour que je puisse appliquer ça sur un autre objet ou texte, il faut que je le stocke dans la palette style graphique. Il faut considérer que la palette aspect, c'est une espèce d'usine à effets spéciaux. Et puis quand c'est bon, je le stocke dans la palette style graphique. On va chercher la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. Donc la palette style graphique est là. Mon objet est sélectionné. Je clique sur le bloc de feuilles dans la palette style graphique. Ça ajoute le style graphique à la palette style graphique. À partir de là, je peux par exemple prendre dans ce document ici, prendre les étoiles, outils étoiles. Et commencer à faire des petites étoiles autour de l'éléphant en leur appliquant le style graphique. Bon, dès que je fais l'étoile, il y a le fond et le contour, un des fonds et un des contours qui arrivent, mais c'est pas encore l'effet recherché. Pour avoir l'effet recherché, il faut vraiment appliquer le style graphique comme ça, voilà. Bon, je peux aussi faire des étoiles sur l'éléphant. Donc ça marche. Prendre l'aspect sur un objet, le stocker dans la palette style graphique va me permettre de l'appliquer à plein d'autres objets.